sur le plateau du Paris Open Source Summit 2016 en compagnie de Caroline Corbal. Bonjour. Bonjour. Présidente du Democracy OS France qui organise le projet, l'initiative Open Democracy Now, lancée en janvier. Comment et dans quel contexte a été lancée cette initiative ? Alors, Open Democracy Now est né du constat qu'énormément d'initiatives de Civic Tech, donc pour le gouvernement ouvert, émergeaient, mais beaucoup étaient fermés ou propriétaires. Et donc, on a souhaité réunir un ensemble d'acteurs qui partagent des valeurs qui sont centrales pour nous, qui sont la transparence, l'ouverture et la collaboration, pour en fait co-développer ensemble, sur le long terme, des outils pour la démocratie, donc des outils libres et open source. Alors, tout au long de l'année, des événements ont marqué finalement cette initiative Open Democracy Now jusqu'au Paris Open Source Summit avec ce hackathon organisé à l'occasion du Paris Open Source Summit qui est en cours là pendant cet enregistrement. Qu'est-ce qui va aboutir de ce hackathon et quelles sont les prochaines étapes ? Tout à fait. Alors en fait, l'idée de ce hackathon, c'était d'être un hackathon permanent parce qu'on voulait vraiment créer une dynamique de long terme qui aboutisse à des résultats concrets. Donc on s'est réunis tous les deux mois et là aujourd'hui on en est à la cinquième étape. Donc on est passé de 5 projets à 35 projets et aujourd'hui on considère Paris Open Source Summit un peu comme l'aboutissement d'un an de travail. Pour nous, c'est l'occasion de présenter aux décideurs, aux communautés de l'open source qui sont là, aux citoyens qui assistent à la conférence, toute une série de solutions clés en main pour le gouvernement ouvert. Ensuite, les prochaines étapes, donc fin 2016, on participera et même on co-organisera le hackathon mondial qui aura lieu dans le cadre de l'Open Government Partnership Summit qui est accueilli par la France cette année. Et en 2017, Open Democracy Now va continuer. Je pense qu'on va élargir peut-être un peu les axes, donc des axes qui continuent de renforcer l'empowerment de citoyens. Et je pense notamment aux nouveaux médias, donc avec un axe sur l'information des citoyens et à l'éducation, qui sont deux axes fondamentaux. On a aussi pour projet d'ouvrir Open Democracy Now, qui est pour l'instant très parisien, donc au territoire français, donc aux régions françaises, et puis ensuite à l'international aussi. Très bien. Donc le rendez-vous est donné début décembre pour le sommet du PGO, qui est accueilli par la France, le partenariat pour un gouvernement ouvert, qui se déroulera à Paris. Merci Caroline, on Merci. Se retrouve à cette occasion. Merci à vous. Merci.